Salut à tous et à toutes, c'est H. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va super bien. J'ai la patate aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très heureux de vous présenter. C'est le 15e épisode de la série des enquêtes de clan Fantôme Louche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai vraiment un truc assez flippant. Alors, je sais que normalement, tous les 5 épisodes, je suis censé faire un truc assez cool. Mais étant donné que le 14e épisode, c'était vraiment un truc pas très très flippant, quoi. Le Magikarp sauvage, ça va, quoi. Il faut pas déconner. Pokémon non plus. C'est pas très violent. Mais là, aujourd'hui, je vais vous présenter un clan qui a été littéralement hacké. Alors, je peux vous dire que je tiens du très très lourd. D'ailleurs, c'est une personne qui m'a donné ce nom dans les commentaires, ce nom de clan. Donc, je sais pas si ce clan a déjà été présenté ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment grandiose. Donc, excusez-moi si je vous représente quelque chose qui a déjà été présenté en France, en Amérique, ou alors en Angleterre, ou même en Asie, ou en Afrique. Je ne sais vraiment pas si ce clan a déjà été montré au public sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, je suis content de faire mon analyse aujourd'hui pour vous. Juste avant, j'aimerais d'abord signaler 2-3 petites choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le clan War Army recrute, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à postuler si vous êtes maxé. On recrute HDV 8 maxé, HDV 9 maxé et HDV 10 très bien avancé. HDV 11 aussi bien avancé. Et sinon, si vous ne pouvez pas rentrer dans le clan War Army, que vous êtes refusé, vous allez dans le clan War Army 8.9 ou alors dans Farm Army. Ça, c'est à vous de voir. Je vous mets tout ça en sous-titre maintenant et on commence directement cette nouvelle enquête. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne connais pas le nom du clan. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le hashtag 29PliRug. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Donc vous pouvez voir en fait qu'il y a deux clans. Donc le premier clan, il est ici. Vous pouvez voir qu'il est de level 1. C'est marqué donc hashtag 29PliRug 075. Hashtag 29PliRug, hashtag du clan nananana. A vous de regarder. Clan systématiquement louche, pas de hack, mais un glitch réalisable par tous. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Alors là, on peut voir en fait que voilà, il n'y a rien de spécial. Il y a deux personnes, un level 8, un level 7. Total de points 78, Gargani 0, membre 2, ouvert à tous, à 0 trophée, fréquence de guerre 2 fois par semaine et origine du clan international. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on va voir le clan qui est désigné par l'identifiant, regardez, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le clan s'appelle Hack Apparence. Et justement, le nom correspond bien du coup au clan parce que regardez, ils sont bien de level 1 sur ce clan-là et pourtant, il y a les petits contours pour décorer qui sont disponibles uniquement à partir de level 6. Comment est-ce possible? Je ne sais pas comment ils ont réussi à débloquer ces petits contours et ces petits décors pour l'emblème, mais en fait, même en étant level 1 et en n'ayant gagné aucune guerre, ils arrivent quand même à pouvoir mettre le blason de level 6. Donc je vais vous montrer bien évidemment sur War Army. Donc regardez, nous par exemple on est level 7, on n'a pas exactement le même blason. Mais par exemple, moi je peux mettre celui du level 6. Donc regardez, on va voir directement. Je pense que c'est... Ah non, c'est même pas lui. En fait, le mec il s'est même pas fait chier. Il a pas mis le blason du level 6. Il a mis carrément celui du level 7. Voilà, donc en fait c'est exactement le même que celui de War Army. Coïncidence ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment chelou. Donc on va retourner sur ce clan qui est hashtag 29PliRug. Voilà. Et en fait, on voit qu'il est ouvert à tous à 45 623 trophées. Alors bien évidemment, ça c'est le bug qui a été présenté par William et Peps il y a assez longtemps. Je pense que j'ai déjà assez dit précédemment dans les autres épisodes d'enquête de clan Fantôme Louche. Mais voilà, il a vraiment été présenté de nombreuses fois partout dans le monde ce bug pour changer la barre des trophées requis. Donc si vous voulez voir ce bug, vous tapez bug barre de trophées et normalement vous allez le trouver. Et regardez en fait, dans la description c'est marqué ce clan a été créé le 29 octobre 2015 grâce à un glitch. Donc vous pouvez voir en fait qu'il est déjà assez vieux. Actuellement je fais cette vidéo en février 2016, donc il va avoir 4 mois le clan. Donc grâce à un glitch, ils disent pas grâce à un hack mais grâce à un glitch. Donc c'est à dire grâce à une espèce de faille qu'il y a dans le jeu. Et je ne sais pas, enfin il décrit pas en fait comment est-ce qu'il réalise ce bug. Donc il dit le clan n'est pas une triche, pas de jailbreak. Donc ça par contre c'est déjà un gros point fort. Il dit qu'en fait il n'y a pas besoin de hacker Clash of Clans, c'est à dire pas besoin de jailbreaker le jeu, pas jailbreaker le jeu, excusez-moi, pas besoin de jailbreaker l'appareil, donc iPhone, iPad ou iPod, mais que même avec un appareil quelconque il arrive à réaliser ce glitch. Donc clan de level 1 en apparence, mais en fait il est de level 6 et français, ouvert à 45 623 trophées, voilà voilà, bon jeu. Et là, en fait, vous pouvez voir que le chef de ce clan s'appelle Adolf Hitler. Alors, vraiment, arrêtez de vous appeler comme ça, s'il vous plaît.
Je sais pas s'il y en a qui savent ce qu'il a fait endurer à certaines personnes, mais sans déconner, arrêtez de vous appeler comme ça, quoi. C'est vraiment ridicule et je sais pas. Il n'y a aucun intérêt à se faire passer pour Adolf Hitler. C'est le plus horrible des êtres humains qui ait pu exister sur Terre. Donc voilà, honnêtement, je trouve ça vraiment tyrannique, vraiment méchant, raciste de s'appeler comme ça avec son pseudo Adolf Hitler. Donc peut-être que ça peut faire rire quelques personnes. Mais personnellement, moi, je trouve pas ça vraiment bien. Donc effectivement, il y a aussi des petits problèmes ici. Donc dans Adolf Hitler, vous pouvez voir en fait que il y a donc des points d'exclamation entre le D et le O d'Adolf et entre le L et le E d'Hitler. Donc son vire. Oh putain, j'avais même pas vu. Regardez-moi ça. J'avais même pas en fait rendu visite à Adolf Hitler. Et regardez, il y a marqué sur son village H, trois points d'exclamation. Bien évidemment, ça m'est destiné. Ouais, je pense qu'il a voulu passer dans une vidéo, il doit me connaître bien évidemment. Faudrait que je contacte cette personne. En tout cas, bravo à toi hein, d'avoir réalisé ce bug parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui essayent comme ça de créer des clans et tout pour que je puisse passer, enfin pour que je puisse les faire passer en vidéo. Et donc voilà, vraiment bien joué à toi mon gars. Juste, c'est un beau clan que t'as réalisé. J'avoue que le bug m'a assez impressionné au niveau de l'emblème. Par contre, arrêtez de vous appeler Adolf Hitler si vous voulez passer en vidéo, il n'y a pas de problème. Je vous fais passer vos clans, voilà, vous passez 3-4 heures à faire un clan, mais arrêtez de vous appeler Adolf Hitler, quoi. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Regardez, il m'a même fait un petit smiley en forme de rempart, donc c'est vraiment gentil de sa part. Sinon, à part ça, rien de spécial. Il est HDV4, clan de level 1, ok, donc voilà, il n'y a rien de spécial. Juste un dernier truc, on peut voir en fait qu'il a fait la mise à jour de Noël parce qu'il a un sapin de Noël. Donc voilà, la dernière fois qu'il a joué, ça devait être vers Noël. Je vais regarder en fait ses réserves d'or. Donc oui, voilà, ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a plus joué parce qu'on peut voir en fait que ses réservoirs sont presque vides avec 4 et 10 dans ses réservoirs. Donc voilà, ça va bientôt être complètement vide ses réservoirs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je pense que c'est vraiment un beau clan que je vous ai présenté là. Si vous avez aussi d'autres clans à me présenter ou alors à me faire remarquer, il n'y a pas de problème, hein. Je suis là pour vous les présenter et vous me donnez l'identifiant et le nom du clan. Dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, à les envoyer à toutes vos amies et tous vos amis, bien évidemment. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, il y a le lien pour avoir des j'aime, le lien de mon compte Twitter et le lien de mon compte Insta. Si vous voulez m'ajouter sur Insta, c'est Anto260200, sur Twitter, c'est @ash-arne. Si vous voulez par contre m'ajouter sur Skype, c'est H260200. Je vous souhaite vraiment de bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Si vous regardez cette vidéo en période scolaire, je vous souhaite du bon courage pour le taf. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt les acharnés.